Je prends mon argent, je te donne 50 000 de bonus. Non, 50 000, c'est petit. 100, c'est bon. Hé, t'as un peu. Tu vas prendre 100% d'intérêt, 24 heures. C'est à prendre ou à laisser. Je prends. Mère, la noblesse assurée. Non, tu es un vrai prince. Oh. Dis-moi, tu vas monter dans l'avion? Hey. Mon frère. Est-ce que tu connais l'origine de la science, le pourquoi de la science dans le monde? Parce que c'est les connexes qui vont ensemble avec le monde. Changer. Comment ça va? Avant, vous ne buviez pas sans nous offrir un pain. Maintenant, c'est compliqué. Même la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Hé, hey, toi, tu parles déjà trop. Qui t'a dit que Dinka est déjà fini? Ce n'est pas moi qui le dis. N'est-ce pas tu es le pas? N'est-ce pas tu es le pas? Hé, hey, toi là. Essaye encore d'être sûr, frère. On ne va pas te dire ce qu'on va. Tu ne me connais pas, hein? Tu me dis. Dinka. Monsieur Dinka. J'espère que tu n'as pas oublié la tenue de danger. Provoque-moi, titille-moi, taquine-moi, mais ne me teste pas. Je ne suis pas le fou que tu viens de taper tout à l'heure. Essaye d'ouvrir la bouche là. Essaye de m'ouvrir la bouche. C'est bon. Tu ne me connais pas. Stop. C'est bon. Tu as l'argent pour la santé, moi je vais te montrer. Ma caca. Ça va. Quand il me prend, personne ne parle. Toi, il faut le dire. Tu vois le sang. Quand c'est moi, c'est maniaque, ça dira. Ça va. Ça va. Tournée générale qui tourne. Voilà. Mais c'est là qu'on reconnaît les grands hommes. Bon, vous videz donc, je vous remplace. Ça y est. Ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Essaye de te battre. Hé, hé. Sans tenue. Les élèves n'entrent pas ici, en tenue. Ah, dis donc, laisse le petit. Ah, Kia. Donne un jus à mon fils. C'est toi la fission. Parce que c'est comme ça. Il est cherché par les amis. C'est comment? Tu m'as oublié. Voilà, allez. Ok, tu bois doucement. Tu bois doucement comme un responsable. Tu vois comment je bois. Je bois un coup, je bois, je discute un peu et puis je bois. D'accord? Mm-hmm.
Oui. Dis-moi, c'est ton mari là-bas. Oui, pourquoi cette question? Il faut comment qu'on a deux maris. Ndoutou, occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires, tu me suis. Moi, j'aime Axel. Il est jeune et beau. En plus, j'ai pu commencer à le regarder ici tout à l'heure. Mais pas Jinka. Il est vieux, mais très gentil. Tu te souviens lorsqu'il m'avait donné un billet de 1000 francs la dernière fois? Ndoutou. Ndoutou. Quand tu seras grande, tu vas choisir tes maris librement. Pour l'instant, tu la boucles sur ma vie. Je t'interdis de t'occuper de mes affaires. Et baisse-moi tes pieds là. C'est comment pas? Moi-même, je vais encore voir. Donne-moi faire une deuxième tournée, on te donne encore une autre bouteille de jus. Non, ça donne le diabète. Ça m'a dit que tu risques de pisser de la nuit. Eh, hey, monsieur, donnez-moi une bière. Donne-moi ma bière, donne-moi ma bière. Je dis, hein, si on te donne une bière, tu vas la boire. Oui, non. Papa, j'allais oublier. On a dit que tu donnes ça. Ton directeur me convoque. Peut-être que vous pouvez te remettre son bureau en nom propre. C'est demain que vous partez en vacances, non? Oui, pas ça. J'étais sûr. Quand tu vois un convo déjà un parent, le papa d'un enfant, c'est que l'enfant a certainement gaffé. Tu as entendu? Tu as fait quoi? Il a seulement dit qu'il voulait bavarder avec toi en concoupant. Écoutez, il y a un TikTok qui dit, un enfant peut jouer, caresser, cajoler, mordiller le téton de sa maman, mais ne pourra jamais faire pareil. J'ai dit bien au grand jamais faire pareil avec le testicule de son papa. Allô? Oui, chérie. Je vais bien toi. Je suis même avec mon fils. Une sortie demain. Aïe, c'est que je suis un peu fauché là. Je n'ai pas encore touché mon salaire. Et moi aussi. Je parie que c'était Zina.
Tika. Tika. Tika, tu fais quoi là-dedans? Je dis, depuis quand tu t'enfermes dans la chambre? Il n'y a rien. J'ai prié. Depuis quand tu pries? Tu sais que c'est bientôt notre mariage religieux. Il faut déjà se préparer. Et tu devrais faire pareil. C'est dans les murs, par exemple. Tu es un vrai coach. Tu es un vrai coach. Ah bon, hein? La fête que tu connais là, non? Ça a marché. Oui. Oh là là, je suis fier de toi, mon fils. Ah bon? Le poisson est dans la nasse. Ah bon? Oui. C'est beau. Non. Tu es un vrai neuf. C'est grâce à toi, par ça, petit. Non, tu es un vrai neuf, mon fils. Vous parlez de quoi? Ah, Kabiro, tu ne peux rien comprendre. Oui. On parlait de football. Oui. Même si on t'explique quoi, tu ne peux rien comprendre. Oui. Samuel Eto'o. Oui. Oh, mon père. Elle voulait un peu compliqué, non? Foncé. Oui. Samy. Oui. Oui. Grâce à toi, mon père. Je suis fier de toi. Oui, bah, oui. Très bien, le repas est servi. Où est ton frère? Véro, mais c'est toi qui l'as caché dans la chambre, non? Comment ça? Stop! Il faut enlever ta bouche sur moi, hein? Moi, j'ai faim. Je meurs de faim. Petit frère, allons-y. Mais frère, je viens à peine de... Le repas, c'est pour plus tard, allons-y. Attends. Sorte. Passe. Comment toi aussi tu peux m'enlever la nourriture dans la bouche comme ça? Je voulais qu'on s'éloigne parce que j'ai pour parler. Donc l'odeur que j'ai sentie là, c'était ton pète. Non, je n'ai pas pété. Oh, toi aussi, tu entends toujours tout à travers. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris un peu d'argent dans le porte-monnaie de vie. Tika, tu as fait ça? Avec le visage de zéro. Regarde, tu n'as pas de l'argent là. J'ai pris un peu d'argent. Non, mais il faut rendre sans permission, c'est vrai. Véro, c'est mon épouse. Hein? Il n'y a pas de faux entre eux. Si elle le découvre, franchement, Dika, ne compte pas sur moi pour que je parle. Je sais. Tu vas me réunir trois fois avant le champ du coq. Si je suis bien, Monsieur Jésus, tu te rassures pour historiquement assumer. Je te le dis. Je sais où le trouver. Il va me sentir. Ma belle-sœur, oui. Moi je suis derrière toi. Merci. Pas celle qui se moque de la famille. Celle-là, la femme de Dinka, là, elle est très sauvage et très mal élevée. C'est comme si elle sort seulement du village. Elle est très jalouse. Jalouse de quoi, même moi? Elle croit qu'on a circoncis son mari pour elle seule. Moi, je ne laisserai jamais tomber Dinka. Pour rien au monde, je t'assure. Avec raison. Nous autres célibataires, on va vivre où? On est obligé de s'accrocher aux hommes mariés. Mm-hmm. Hein? On n'a pas choisi d'être célibataire. On n'a vraiment pas choisi d'être célibataire dans le monde. Salut mes amours. Salut. Salut mamie. Je suis venue nous rendre visite. Ah oui.
Je passais et je me suis arrêtée. Ah, c'est bien. Ça, ma bouche. Tu me sens comment avec toi? Pourquoi tu me sens me suivre, manager? Tu veux que je porte ma bouche de qui? Ça va alors. Oh. Comment était ta journée? Ma journée était en train. J'ai roulé de rendez-vous en rendez-vous, mais ça prenait. Ok. C'est cool. Tiens, je m'apprêtais justement à partir. Déjà? J'ai bavardé avec mon neveu. Je dois partir. J'espère juste que c'est pas moi qui te chasse. Oh non. Vous êtes ma famille. Mais... Ah oui. Allez. Ciao. Ciao. Et c'est mon médecin dans la chambre, j'arrive. Je veux voir Dinka. Où est mon mari Dinka? Non, non, calmez-vous, madame. Mais madame Dinka, qu'est-ce qu'il y a encore? Je dis que je veux voir Dinka. Il n'est pas ici. Ah bon, hein? Non. Donnez-le chez sa bordelle, là. Non. Elle habite où? Madame Dinka, vous parlez même de qui? La dame qui vient souvent consommer ici avec lui, elle est où? Non, non, non. Vous la connaissez, non? Non, on ne la connaît pas. C'est monsieur Dinka seul qui vient voir ici. Vous ne la connaissez pas? Non. En tout cas, ça va se savoir aujourd'hui. Couleur de femme tant que tu tiens. Non, Mayaka. Tu n'as même pas. Sans les partir. Est-ce qu'elle est lâche? Oui. Donc ta force est seulement sur les feux. Vaut mieux un lâche vivant qu'un héros mort. Hein? Ça sert à quoi de mourir sous les mains d'une folle? Vraiment, toi tu n'es pas mort. Vous allez donc comprendre le dicton qui dit chez vous. C'est quand le moustique a posé sur tes testicules que tu te rends compte que la violence ne résout pas tous les problèmes. Donc avant la main avec tes faux dictons là. Non. Que tu chales. Et pour revenir, comment tu m'en fais? Elle est même venue gâter mes parliances. Parce que j'ai tout voulu apprendre le coup de gros que. Saïd, tu t'es déjà brossé les dents? Non. Oui, Maë. Axel était là. Il est venu pour nous inviter à une fête ce week-end. Moi, je suis gala. Moi, je ne le sens pas. Tu ne le sens pas? Je ne le sens pas. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche quand les aînés parlent. Ça t'apprendra. On demande qui est-ce qu'on a dit. C'est qui? Dinka. Ah, Dink. Ça va? Comment tu vas, mon ami? Je vais faire bien. Hey, Saïd. Tu peux t'installer là. Bonsoir. Bonsoir. Comment était ta journée? Ah, ça va. Ça va. Plutôt bien. Et la tienne? Bien. Tu m'as ramené ce que je t'ai demandé. Oui. Je sais que je peux rien te refuser. Je sais. Merci, mon homme. Ma petite soeur. Ça, c'est de la grâce. Tu vois alors comment tu es pleine de grâce. Le Seigneur te donne la chance d'avoir un homme généreux comme ça, qui te donne beaucoup d'argent. C'est vrai, je rends grâce à Dieu. Déjà, ne m'entends pas. Ferme ta bouche. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, 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 rien. Elle dit juste que tu es le meilleur des hommes. Elle est bien. Ouais. Allez vous coucher. Et que ça saute, allez vous coucher. Ça y est, tu te brosses les dents avant de dormir. Bonne nuit, mon garçon. Alors, je t'ai manqué. Tu sais que tu me manques toujours. Toi aussi, tu me manques toujours, c'est vrai. Je me te dis tout le temps. Zénab. Oui, c'est ta soeur? Non, ma soeur est née, Ravia Tujaris. Oh.
Elle est très jolie, franchement. Ah oui, c'est dans le sens. Elle est mon genre, hein, vraiment. Je te dis, tu es mon genre de femme. Waouh. Waouh, quel charisme. Dika, pour elle, j'offre à boire ce soir à la gagotte. Oh. Ouais. Franchement. So. Ouais. Ok, c'est cool. Mon futur beau. Ouais. J'avais tellement envie de sortir ce soir, donc je valide. Je crois qu'on valide aujourd'hui. Allez, allez, mettez-vous à l'aise. Tu es une dangereuse. Car. Hey. C'est le lait. Tu te lâches. Où sont tes frères? Maya, quoi? Je demande où sont tes frères. Ils sont dans la chambre. Et toi, tu fais quoi là? Allez, va les rejoindre. Pour notre table de pouvoir une soupe de propre. Bon gars. Tu as quand même beaucoup de faim. Nous attendons maintenant le tour de l'honneur. Quand ce sera mon tour, je vais vous atomiser seulement de boissons. Vous allez rentrer. Deux jours de boissons. J'attends de voir ça. Ah ouais. Bon. Il est temps pour l'ange de regagner le ciel. Moi-même. Mes chers amis, je pars. Je vous aime, mais je pars. Moi aussi, je vais partir. Il se fait tard. Je vous aime. Dans ce cas, madame, je me ferai honneur. C'est un plaisir pour moi de vous accompagner à bon port. Parce que le dehors est un peu dangereux. Il y a les... Quand est ça? Je viens de te sauver la vie. Je vais y aller dans mon cœur. Il a sauvé sa femme. Je vais te donner ça demain. Il est là.